derrière sa toile, c'est ça? C'est vraiment beau. C'est du jamais vu, ça. Vachement intéressant. Ça, c'est très bien fait, ça. Wow. Wow, c'est beau, la permanence des choses comme ça. Triste que vous ne soyez pas là avec nous en direct. Quel regret de ne pas vous voir directement. Ça a été tourné ça ici. Ça a été tourné sur ce pendant plateau-là. Pendant qu'on était malheureusement absent. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On est très, très heureux de vous avoir. Ça m'a complètement hypnotisé, ce numéro. Au début, comme on était sur l'écran, je ne savais pas vraiment comment vous travaillez. Est-ce que c'était un écran tactile et puis c'était au toucher que la lumière s'éclairait? J'ai découvert après l'impermanence de la peinture qui s'effaçait au fur et à mesure, qui rendait les choses encore plus émouvantes parce qu'elles naissent puis elles meurent dans les quelques secondes qui viennent. Et puis vous passez tout d'un coup avec des mouvements de main. J'ai trouvé ça, mais brillante. Merci. Merci, merci. C'est la première fois que je vois ça et j'ai adoré. Je me suis sentie comme une enfant. Je suis une chanteuse et je rêverais d'avoir ce genre de choses sur scène avec moi pour illustrer la musique. Vous êtes un vrai artiste et pour moi, vous êtes venu décorer l'invisible. Voilà. Merci. Ouais. Moi, j'ai un mot pour décrire ce que vous avez fait. C'est magique. Je trouve qu'on faisait partie de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire... une nouvelle création, ça me rappelle mon enfance quand je fabriquais des iPhones à Mumbai. Non, ça m'a vraiment bluffé parce que j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était parfait. Merci. Bonsoir Alex. Je suis bluffé par la technique, bien évidemment. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il fait ça? Je m'en fous un peu de comment il fait ça parce que le sujet, la touche picturale et la musique, pour moi, m'ont tellement ennuyé que voilà, j'ai pas buzzé pour laisser tranquillement se dérouler cette histoire-là. Mais alors vraiment, s'il y en a une qui n'a pas été touchée, à part le gros plan sur l'œil de face, où j'ai trouvé que là, picturalement, je retrouvais quelque chose du graphe, vraiment. Mais le reste, j'ai trouvé ça tellement mou, tellement sucré. Et mon docteur m'a dit, Marianne, il faut arrêter le sucre. Et donc là, il y avait beaucoup trop de miel, de sucre. Voilà, c'est mon avis. T'as pas envie de voir en vrai ce que ça donne? Non, pas du tout. Non. Ah bah, je trouve ça mou du genou. Moi, j'ai envie de Je trouve ça cucul la praline. Moi aussi. 21e siècle, un garçon comme lui, la technique qu'il a et tout ça, arriver à ce truc aussi sucré et mou du genou, c'est étonnant, quoi. Donc, on vote. Pour moi, c'est un grand oui, évidemment, parce que c'est nouveau. Mais, voilà. Oui. Et sans surprise, pour moi, c'est un non. Pour moi, c'est évidemment un oui. Trois oui, un non. On se retrouve à la prochaine étape. Yeah. Merci.